Un excellent sabbat à vous tous et à vous toutes. Vous savez, nous approchons de certaines fêtes que le monde en général célèbre de plus en plus. Et il y en a trois, trois de ces fêtes qui se suivent dans les prochains jours. Et ces trois fêtes-là ont un lien direct avec la mort. Elles ont un lien direct avec le monde des esprits, avec le monde des esprits mauvais. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, pour qu'on voit bien de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça implique, et comment nous, en tant qu'appelés de Dieu, à connaître la vérité de Dieu, les splendeurs de son plan, comment nous, on doit considérer ça, et comment on doit ne pas participer à ces choses-là d'aucune façon. Les trois fêtes en question, je vous les donne. D'abord, 31 octobre. Vous savez de quelle fête il s'agit? L'Halloween. 31 octobre au soir, l'Halloween. Le lendemain, le 1er novembre, la deuxième fête, la Toussaint. 1er novembre, la Toussaint. Ceux qui étaient de religion catholique autrefois, vous allez vous rappeler de, de ce nom-là. La troisième fête qui arrive le lendemain, le 2 novembre, la fête des morts. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors donc 31 octobre, au soir l'Halloween, 1er novembre la Toussaint et le 2 novembre la fête des morts. Et nous allons voir en quoi consiste chacune de ces fêtes-là. Quelle en est l'origine Et comment chacune de ces fêtes-là est entièrement contraire à la vérité de Dieu, aux voies de Dieu et aux lois de Dieu. Ce n'est pas un peu mais complètement contraire aux voix de Dieu. Ces jours-ci, un peu partout, dans les marchés d'alimentation, dans les journaux, à la télévision, dans les vitrines des magasins, dans les écoles, dans les édifices publics, qu'est-ce qu'on voit? On voit des citrouilles, hein? des citrouilles creusées à l'intérieur et là où on a mis des lumières. On voit des squelettes. On voit des sorcières, parfois avec leurs balais magique », entre guillemets. On voit des déguisements de toutes sortes. On voit des représentations de fantômes, des représentations de vampires avec beaucoup de sang qui coule. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? On, On verra un peu plus tard. On voit des pierres tombales avec des toiles d'araignées. Plein de choses macabres un peu partout. C'est la fête de l'Halloween et c'est de plus en plus populaire. Et comme Noël, qui est pas une fête divine, c'est une fête qui est devenue de plus en plus commerciale parce qu'il y a de l'argent à faire avec la crédulité des gens et avec le fait que les gens aiment, pour toutes les raisons imaginables, fêter et se trouver des raisons de dépenser et de faire la fête. Jusqu'à tout récemment. Cette fête païenne-là n'était pas ou à peu près pas célébrée en Europe. Il faut que je précise ça. Mais depuis à peu près 15 ans, les citrouilles, les sorcières ont fait leur apparition dans les vitrines des grands magasins. C'est dorénavant associé à l'Halloween comme c'est le cas en Amérique, à Paris, à Bruxelles. Dans les restaurants, dans les pubs, dans les clubs de nuit, les discothèques, dans les hôtels, on affiche les couleurs de l'Halloween avec ses déguisements, avec ses décorations, avec ses bonbons. Bon, on va aller plus loin. Regardons cette première fête, l'Halloween. La première des trois fêtes que je viens de vous mentionner. D'où est-ce que ça vient? C'est quoi l'origine de l'Halloween? Vous savez, les, les gens... Je dirais à 99,999 des cas, euh, la célèbre sans savoir d'où ça vient, sans savoir réellement c'est quoi l'origine de ça, comment ça a commencé, d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens qui la célébraient à l'époque. En fait, c'est une ancienne tradition, une très ancienne tradition, ça remonte loin, une ancienne tradition des pays anglo-saxons. OK? On croyait que dans la nuit, du 31 octobre les morts venaient rendre visite aux vivants. Okay? D'où l'association avec tout ce qui est mortuaire et macabre et tout ça associé à la fête de l'Halloween. Aujourd'hui aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays, les enfants se déguisent en sorcières, puis se déguisent en fantômes. Ils vont frapper aux portes des maisons pour demander des bonbons ou de l'argent. Bon, se déguiser en sorcière, c'est quoi une sorcière C'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui fait de la magie. Pourquoi est-ce que je voudrais que mes enfants participent à des choses que Dieu défend clairement dans sa Bible, même si c'est sous l'apparence d'un jeu Satan est très subtil pour tromper, pour séduire, pour amener les gens à faire des choses contraires à Dieu et à adorer des choses qu'on ne doit pas adorer, à participer à des scénarios comme celui de se déguiser en fantôme et en sorcière. Se déguiser en fantôme, fantôme c'est quoi? Les fantômes, si on y pense comme faux dans la littérature et tout ça, c'est les armes des personnes décédées, et c'est les esprits mauvais, parce que les personnes décédées n'ont pas d'armes. Les personnes décédées sont décédées. Elles n'ont pas conscience de rien jusqu'à temps qu'il y ait la résurrection. Ça, c'est la vraie vérité de Dieu dans sa Bible. L'authentique espoir que les vrais chrétiens ont à connaître la vérité. Alors, pourquoi encore là, est-ce qu'on favoriserait ceux qui se déguisent en âmes errantes, venant chez nous pour demander des bonbons ou quoi que ce soit, comment est-ce que je pourrais participer à ça? Je sais que pour moi, ça fait plusieurs années que c'est terminé et que je ne participe d'aucune façon. Je rien à donner, je n'ai rien à participer à, à ça. D'aucune façon. D'où ça vient le mot Halloween? Ça aussi, ça nous donne une idée. Le mot Halloween, ça vient de trois mots anglais. All, A-L-L, -L, et le deuxième mot, Hallows, H-A-L-L-O-W-S, et Eve, E-V-E. -E. All, Hallow, Eve, ça veut dire veille de la Toussaint, ou veille de la fête de tous les saints. Qui sont morts, dont l'âme est allée quelque part. OK? Parce que la fête de la Toussaint, comme on va le voir, c'est ça que ça veut dire. Alors, Halloween, donc, c'est la fête de la veille de la célébration des âmes, des morts qui sont quelque part. Voyez-vous ben, déjà que c'est tout à fait contraire aux voix de Dieu. C'est intéressant, dans l'Encyclopædia Britannica, 11e édition, ça dit ceci concernant l'Halloween, et je cite. Les caractéristiques principales de la très ancienne fête de l'Halloween étaient, un, d'allumer des feux. Remarquez, devant les maisons maintenant et devant les, les commerces, on allume toutes sortes de lumières, un peu comme dans le temps de Noël. Ces lumières-là ont un rapport avec les anciennes pratiques des peuples celtes, ok? Les peuples païens. Les gens ne savent pas, mais ils répètent exactement les mêmes coutumes, les mêmes traditions que les peuples anciens. Alors, je cite l'Encyclopédie Britannica. Les deux caractéristiques principales de la très ancienne fête de l'Halloween étaient d'allumer des feux, premièrement, et deuxièmement, de croire que, de toutes les nuits de l'année, cette nuit est celle durant laquelle les fantômes et les sorcières peuvent circuler le plus et errer un peu partout. En outre, c'était la croyance des druides. Les druides, c'étaient les prêtres des peuples celtes. OK? Je vais vous dire tout de suite un peu en quoi consistait leur, leur fonction, les druides. Je pense que ça vaut la peine que je vous donne ça. Les druides, c'était les prêtres, si vous voulez, les prêtres de classe supérieure qui étaient, pour les peuples celtes, leurs enseignants et leurs juges et les druides enseignaient l'immortalité de l'âme, c'est pas surprenant que ça soit connecté de cette façon-là. Ils enseignaient l'immortalité de l'âme et parfois ils pratiquaient des sacrifices humains. Ils offraient en sacrifice des êtres humains sous le prétexte de guérir d'autres individus ou de donner la victoire à certaines armées durant les guerres. Alors c'est ce qu'ils faisaient. Euh, les druides, et c'était leur rôle. Je reviens à la citation d'Encyclopédie Britannica. En outre, c'était la croyance des druides, les prêtres celtes, que cette veille de la fête, quand cette, cette veille de la fête, Saman, ou Shaman, ou Shamine, qui est le seigneur de la mort, je vous donne les différentes façons d'écrire le nom de ce dieu de la mort, vous pouvez faire des recherches si vous voulez, S -A -M -A -N, S-A-M-A-N, Shaman, ou Samhain, S-A-M-H-E-I-N, S-A-M-H-E-I-N, ou S-A-M-H-A-I-N. Alors, outre ce récit de la croyance des druides, ils croyaient qu'en cette veille de la fête, Saman, le Seigneur de la mort, rassemblait les esprits mauvais qui avaient été condamnés au cours des douze derniers mois à habiter le corps des animaux. Alors, on voit que le Seigneur de la mort, la mort, c'est ces mauvais esprits durant cette nuit-là, selon euh, la croyance des druides et selon ce qui était enseigné à ce moment-là. Alors on voit ce qui est associé à la fête de l'Halloween historiquement. C'est bon qu'on ait tout ce contexte-là, qu'on sache exactement, historiquement, à partir de recherches fondées. Je vous donne une citation ici maintenant du journal de Québec, paru le 31 octobre 2002, sous la plume de Marie-France Bornet. Elle dit ceci. Halloween remonte en droite ligne avec les traditions des Celtes. En Angleterre, Écosse, Irlande, et la tradition des Druides. Vers la fin d'octobre, les Celtes célébraient la fin de la saison de fertilité du sol par la fête sacrée de Samhain, le dieu de la mort que je vous dis, qui marquait aussi la, le nouvel an. Alors, pour les Celtes, le 31 octobre au 1er novembre, c'est le, leur jour de l'an. C'est le premier jour de leur calendrier. OK? La fête soulignait le début de la noirceur de l'hiver et, avec l'arrivée des ténèbres, créait une espèce de pont spirituel. Regardez bien, une espèce de pont spirituel permettant au royaume des morts et des vivants de communiquer. OK? Alors, voyez-vous de quoi il s'agit? Les Celtes croyaient que les âmes des parents et des amis décédés profitaient de l'occasion pour visiter leurs anciennes demeures. Et les vivants leur donnaient de la nourriture et leur faisaient euh, des offrandes. Encore aujourd'hui, ça c'est frappant, encore aujourd'hui, il y a les adeptes des religions néo-païennes ou des religions païennes anciennes, mais qui sont sous forme euh, nouvelle, euh, et de l'ancienne religion, celle des witchcraft, c'est-à-dire de la sorcellerie, aussi appelée Wicca, W-I-C-C-A, ou sorcellerie, qui célèbre le nouvel an au même moment. Et j'ai vu dans un rapport que euh, c'est en augmentation euh, cet euh, engouement pour la sorcellerie, pour le, les mouvements Wicca. Euh, on nous a dit que dans les dernières années, ça avait augmenté de, 5, de 500 le nombre de personnes qui adhèrent à ce mouvement-là. Bon, ça vous situe un peu d'où vient Halloween, qu'est-ce qui en était question dans l'histoire. Maintenant, je vais aller plus loin. Les citrouilles. Parlons des citrouilles un peu. D'où vient la coutume des citrouilles creusées puis illuminées de l'intérieur? Ça vient des pays anglo-saxons. Ça vient des Celtes aussi. Ça vient d'Irlande en fait. D'une légende selon laquelle l'âme d'un nommé Jack se promène avec un rutabaga ou un navet creusé contenant une chandelle à l'intérieur pour éclairer son chemin vers l'éternité ou vers la vie éternelle. Pourquoi? parce qu'il n'a pas pu, cette âme-là n'a pas pu aller au ciel à cause de son avarice, et qu'elle n'a pas pu non plus aller en enfer, selon la légende, parce qu'il a forcé le diable à lui signer un pacte selon lequel il ne pourrait jamais aller en enfer. Donc c'est une âme errante, avec un légume creusé et une lumière à l'intérieur, qui se promène un peu partout pour chercher la vie éternelle mais il ne peut ni aller au ciel, ce qui est faux, d'aller au ciel, ni aller en enfer, ce qui est faux aussi. Alors ça véhicule toutes ces fausses doctrines-là, et la fausse doctrine que les êtres humains ont une âme immortelle, et qu'après qu'ils sont décédés, cette âme-là va quelque part. Et dans le cas de ce monsieur-là, qu'on appelle en anglais Jack O'Lantern, Jack, traduction O, traduction Lantern à la lanterne, ça, certains se rappellent de ça, ont vu déjà ce, ce genre de choses-là. Alors cette âme-là cherche une voie vers l'éternité. Alors sans le savoir, les gens perpétuent les symboles de cette même recherche. Sans le savoir, on fait les choses sataniques qui ont été inspirées à ces anciennes religions totalement païennes et totalement contraires à, à Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que les Irlandais qui sont venus aux États-Unis, vers les années 1840, ils ont changé un peu la tradition. Ils trouvaient ça moins pratique de creuser un rutabaga ou un navet, puis mettre une, une lumière, puis c'est pas beaucoup euh, visible non plus. Alors ils ont opté pour la citrouille, alors qui est beaucoup plus évident, qui paraît beaucoup plus. Alors c'est comme ça que la citrouille est apparue, avec les mêmes symboles, avec le, la, le feu à l'intérieur. Alors c'est une fausse religion, c'est la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme, et c'est le message mensonger de Satan qui se perpétue depuis Adam et Eve, maintenant sous la forme de ces citrouilles-là. Vous savez, il y a beaucoup plus là-dedans que juste la citrouille qui semble inoffensive qu'on voit sur les, les, les devantures de maisons ou dans les magasins. Il y a tout un symbole religieux païen, contraire aux voix de Dieu. Maintenant, je vois plus loin. D'où est-ce que ça vient la coutume de se déguiser? De se déguiser le soir de l'Halloween. Ça vient aussi des peuples celtiques. De la même place y compris les Gaulois, y compris les peuples gaulois. Quand les Celtes célébraient leur jour de l'an ou leur premier jour de l'année, ils célébraient en même temps, parce que c'était le même moment, euh, leur seigneur de la mort, s'amène, Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se déguisaient et ils revêtaient des déguisements faits de peaux de bête pour se cacher des esprits qui rôdaient cette nuit-là. Pour se cacher des esprits qui rôdaient cette nuit-là. Alors voyez-vous le rapport avec le monde des esprits que les petits enfants sans le savoir aujourd'hui font en pensant que c'est simplement inoffensif, que c'est gentil. Bien sûr, les petits enfants aiment à, à, à prendre des, euh, des costumes différents et ainsi de suite, mais faut pas faire ça dans le contexte de euh, Halloween du tout, absolument pas. C'est des choses qu'on doit euh, éviter, dont on doit se détourner. Laissez-moi vous lire un reportage ici, un article paru dans le Sunday Telegraph. 27 octobre 1985, page 7. Sonne des télégraphes. Durant la fête de Samhain, vous savez, le dieu de la mort, des chevaux et parfois des humains, plus tard remplacés par des chats noirs. Vous comprenez l'histoire du chat noir, d'où ça vient? Alors, durant la fête de Samhain, des chevaux et parfois des humains, plus tard remplacés par des chats noirs, étaient attachés dans des cages d'osier et brûlés vifs, brûlés vivants, en tant que sacrifice pour les âmes des êtres chers qui étaient décédés. C'est fort, là. C'est fort, là. À la fin, les célébrants portant des masques et des costumes paradaient à l'extrémité des villes. C'était une ruse pour faire suivre les âmes, pour qu'ils s'éloignent des villes, soi-disant. OK? Mais voyez que tout ce scénario-là de déguisement et de, sous une forme d'amusement, ça a des racines entièrement païennes et de, de rapport avec le monde des esprits mauvais. C'est assez clair. Les déguisements ont un lien direct avec le monde des esprits mauvais. Maintenant, je vais plus loin. D'où viennent les histoires de fantômes? Hein, il y a plein d'histoires de fantômes qui circulent. Euh, il y a même beaucoup de films. L'industrie du cinéma en profite, il y a de l'argent à faire, avec euh, la peur des gens, avec euh, tout ce qui entoure la mort et ainsi de suite. Alors, d'où viennent toutes les histoires de fantômes? qui entoure l'Halloween. Les Celtes croyaient que durant la fête du Seigneur de la mort, Samin, les frontières séparant notre monde du monde des esprits s'effaçaient et que les esprits des morts circulaient sur la Terre. Ces croyances ont survécu jusqu'à aujourd'hui sous une autre forme, une forme plus anodine. Qui semblent pas du tout dangereuses. Elles ont survécu sous la forme d'histoires de fantômes. Mais si vous y pensez bien, les histoires de fantômes et de feux follets et tout ça, c'est un contact des êtres humains avec le monde des esprits. C'est ça que ça veut dire euh, aussi. Et à ce moment-là, ça donne lieu à des formes de divination qui étaient pratiquées à ce moment-là euh, dans les anciens peuples celtiques aussi. On demandait aux voyants des indices sur ce que nous réserve l'avenir. Tout ça se tient. Maintenant, allez à 2 rois chapitre 17. 2 rois chapitre 17. Regardons ce que Dieu pense de ça. Mettons les choses bien au clair. 2 rois chapitre 17. Et nous allons lire le verset 14. Les Israélites n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel, mais ils n'écoutèrent point, et ils redirent leur coups, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Bon, allez au verset 17 maintenant. Verset 17 du même euh, chapitre. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. On voit que cette pratique-là avait lieu chez les Celtes aussi au moment du festival de la mort, du Seigneur de la mort, lorsqu'on offrait des sacrifices vivants pour les morts. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. On voit que Dieu est clair sur la question de divination, d'enchantement, de contact avec le monde des esprits. Lévitique chapitre 20. Allez voir, il n'y a pas de doute dans la Bible. Lévitique chapitre 20. Lévitique 20, et nous allons lire le verset 27. <laughs> si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, l'esprit d'un mort, c'est un esprit mauvais, parce que la, les morts n'ont pas d'armes et ne vivent pas après la mort. Mais ici, ce que Dieu dit, c'est si un homme ou une femme ont, sont animés par un esprit de mort, l'esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera et leur sang retombera sur eux. C'est ce qu'on faisait dans l'ancienne nation d'Israël à ce moment-là. Dieu ne, tolérerait, ne tolérait aucunement ce genre de pratique. Maintenant, maintenant allons voir ce qu'un roi mauvais en Israël a fait. Deux chroniques 33, un peu plus loin. Deux chroniques, après le livre des rois. Deux chroniques, chapitre 33. On va commencer au verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que ce roi-là a fait, ce roi méchant? Il a vu ce que les nations faisaient. Et il a fait la même chose, ce que Dieu avait toujours défendu, et ce que Dieu nous montre à ne pas faire. Il dit, sortez du milieu d'elle, sortez des façons de faire de ce monde, sortez des fausses religions qui sont présentes sous toutes sortes de formes, dans les fêtes mondaines autour de nous. Et regardez le verset 6. Verset 6, « Ce roi-là, il fit passer ses fils par le feu, ses propres enfants, dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages. » Il n'y a rien de mal à observer les nuages, mais si on observe les nuages pour essayer de faire des prédictions, pour essayer de connaître l'avenir, c'est autre chose. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, pour essayer de connaître l'avenir. Il s'adonnait à la magie. On a parlé des sorcières avec les balais magiques tantôt et ces choses-là. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Oui, que Dieu est clair là-dessus. On n'a pas à jouer d'aucune façon avec ces choses-là. Dans plusieurs pays du monde, sur plusieurs continents, Halloween est un temps de grande célébration. De plus en plus grande d'ailleurs. Vous le voyez vous-même. Est un temps d'amusement presque frénétique. Un temps de fantaisie de toutes sortes. Même de grands débordements à certains endroits. Il y a de plus en plus d'enfants chaque année déguisés, encouragés par leurs parents, qui parcourent la, les rues la nuit tombée pour aller demander des bonbons, pour aller demander de l'argent. Il y a de plus en plus d'adultes aussi qui se déguisent. Ils se costument en sorcière, ils se costument en démon, en diable. Qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de bon à vouloir s'habiller en diable et prétendre qu'on est un diable ça, ça parle, déjà le fait de le faire. De se déguiser en vampire avec du sang, qu'est-ce qu'il y a de beau, d'honorable, de juste là-dedans? Est-ce euh, est que ce n'est pas de la violence à pousser à l'extrême? Parce que les vampires, à ma connaissance, tuent les autres êtres humains et les font euh, saigner les vides de leur sang. Est-ce que c'est est, est -ce est beau? Et les gens, sans le savoir, se costument comme ça et pensent faire la fête. Font la fête de qui? Ils font la fête du Dieu des morts, du meurtrier, de celui qui est menteur depuis le début, qui est très puissant. On célèbre la fête dans les clubs, on fait des parties de bureau, des fêtes au bureau, on se déguise, on échange plein de, plein de choses. Sans le savoir, un jour les gens sauront, mais sans le savoir, ces gens intelligents, dont un grand nombre se disent chrétiens, célèbrent une fête totalement païenne et participe à des coutumes de superstition dont le personnage principal est nul autre que le diable lui-même. Et le diable lui-même, c'est qui C'est l'adversaire de Dieu. C'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. C'est le meurtrier. C'est le seigneur de la mort. C'est celui qui veut détruire l'humanité. C'est ça Halloween. Je pense que c'est bon qu'on mette les pendules à l'heure et qu'on donne exactement, historiquement, de quoi ça retourne, pour qu'on ait la, la conviction de ce que c'est et qu'on reste en dehors de ça et qu'on soit content de le faire. Parce que Dieu nous a libérés en nous montrant la splendeur de la vérité. Allez dans Jean 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. C'est le Christ qui parle ici. Jean chapitre 8. Et le verset... 44. Il parle ici aux pharisiens de, de son époque, les chefs religieux de son époque. Et quand le Christ va revenir, il y aura sûrement beaucoup à dire à nos chefs religieux qui enseignent des choses contraires à la Bible. Alors il leur dit ceci, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ces fêtes ne sont pas des fêtes de vérité. Parce qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Regardez le début du verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous pourrez aller voir. Un verset qui euh, renforce encore celui-ci dans 1 Jean chapitre 4 et le verset euh, 6. Ça nous dit qu'il y a une différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Et il faut s'assurer de rester dans l'esprit de vérité. Alors, je vous ai parlé au début de ce message de trois fêtes qui se suivent à partir de l'Halloween le 31 euh, octobre. On va voir maintenant rapidement les deux autres fêtes dont je vous ai parlé. Halloween, 31 octobre. Le lendemain, 1er novembre, la Toussaint. C'est la fête catholique de tous les saints, des âmes qui sont allées quelque part après leur mort, selon leur euh, doctrine. D'où ça vient? <laughs> D'où ça vient? Je vous donne l'historique. Vous pourrez faire des recherches vous-même, mais je vous donne l'historique. En 610, le pape Boniface IV a établi la fête de tous les saints martyrs et a décrété que ça devrait être célébré le 13 mai de chaque année. D'abord, le pape Benoît, c'est-à-dire Boniface IV, ne connaissait pas les, les Écritures, parce que c'est bien marqué dans les Écritures, Dieu dit « Vous ajouterez rien, puis vous retrancherez rien. Hein? » Dieu a, il a donné ses fêtes, il a dit « Vous n'en ajouterez pas d'autres. » Alors ce monsieur-là, Boniface IV, a établi la fête de tous les saints martyrs le 13 mai de chaque année. Plus tard, en 835, le pape Grégoire, a transféré cette célébration au 1er novembre. C'est comme ça que c'est venu dans l'histoire. Au 1er novembre, qui est le, le jour de l'an des peuples celtes, qui est la fête du Seigneur de la mort. Il a transféré ça au 1er novembre et l'a désigné comme la fête de tous les saints, en l'honneur de tous les martyrs et de tous les saints supposément montés au ciel, d'après eux. Okay? Alors c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Okay? Entendez par saint ceux qui sont morts et qui sont euh, allés au ciel, dont l'âme est allée au ciel, ce qui est faux, bien sûr. Dans certains pays catholiques, il y a une tradition populaire où les gens croient que leurs chers disparus reviennent ce jour-là à leur ancien lieu d'habitation. Les, toutes les coutumes païennes sont associées à ça. Les églises ne disent, ne disent rien contre ça, ils laissent faire savoir avec le, tout ce qui est mélangé dans leurs dans leur choses. Il y a un article qui est paru en novembre 1997 dans la revue Mabuhay, M-A-B-U-H-A-Y, intitulé Halloween Hijinks, Halloween Hijinks. Et ça décrit une tradition aux Philippines, par exemple, concernant la touchée, le 1er novembre. Et ça décrit le fait que les familles, à ce moment-là, se rassemblent dans les cimetières, allument des chandelles, ah, le feu, à allument des chandelles, Okay? On a vu ça tantôt, d'où ça vient, la question du, du feu. Et offrent des fleurs à leurs parents disparus. Ça, c'est aux Philippines. Il y a d'autres traditions qui ressemblent à ça dans d'autres euh, coins du monde, dans d'autres parties du globe. Alors, ça, ce qui est pour la Toussaint. Je ne vais pas plus loin. On va aller maintenant à la troisième fête. La troisième de cette série de fêtes païennes de la mort, elle a lieu le 2 novembre de chaque année. Et ça, c'est le jour des morts. Le jour des morts, qui est différent de la Toussaint. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer. Le jour des morts, lui, il a pour but de se souvenir des âmes qui attendent d'être libérées du purgatoire pour enfin aller au ciel. OK? Parce que selon la tradition catholique et selon leur enseignement, L'être humain est fait d'un corps physique et d'une âme immortelle. Et quand le corps meurt, l'âme va soit au ciel si la personne était bonne, ou va en enfer pour brûler éternellement si la personne était mauvaise et n'avait pas eu le temps de demander pardon avant de mourir. OK? Mais ils ont inventé un stade intermédiaire aussi, qu'on appelle le purgatoire. Ça, c'était pour les cas douteux. C'était pour les cas douteux. Les gens qui n'étaient pas assez mauvais pour aller en enfer directement, mais pas assez bons pour aller au ciel directement non plus. C'était un endroit de souffrance aussi où les armes des personnes décédées devaient attendre un certain temps pour enfin pouvoir monter au ciel et aller en présence de Dieu. Les catholiques parmi nous, ceux qui étaient catholiques autrefois, vous vous rappelez ce qu'on nous a enseigné euh, dans les petites écoles à ce propos. Euh, concernant, concernant ça. Bon. Alors, le jour des morts, c'est donc le 2 novembre, pour se rappeler de ces pauvres âmes qui sont au purgatoire. Maintenant, je fais juste une petite parenthèse. Je pense que dernièrement, l'Église catholique a aboli le purgatoire. J'ai cru voir des articles, je n'ai pas de documentation là-dessus, je pourrais voir, mais je pense qu'ils ont dit que non, ça n'existe pas. Mais je ne sais pas ce qui va arriver avec ceux qu'ils ont envoyés là dans le passé, ou enfin, qu'est-ce qu qu qui arrive. Mais voyez-vous, ce n'est pas logique. De toute façon, ce n'est même pas biblique. C'est même anti-biblique. Alors, euh, laissez-moi vous citer ici le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet-là. C'est bon qu'on voit exactement de quoi il s'agit. Sous le titre La purification finale ou le purgatoire. Et ici il explique. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, okay, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus. Qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés, qui eux est allé directement en enfer pour souffrir éternellement. Cet enseignement, je cite toujours le catéchisme catholique, cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts. Et là, je vais vous expliquer quelque chose là-dessus. La prière pour les défunts. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et a, elle a offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique. Mais oui, on dit des messes pour les morts, hein? Et les gens payent des messes pour aider les morts, pour que ceux qui sont au purgatoire, moyennant un certain nombre de messes et ce qui va avec, puissent monter au ciel et avoir la joie euh, d'être dans le ciel, selon eux. Afin que purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu, l'Église recommande aussi les aumônes, bien sûr, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Alors ça, c'est la doctrine officielle de l'Église. Alors donc, le jour des morts, il a, il a pour but de se souvenir des âmes qui attendent d'être libérées du purgatoire pour aller au ciel. Maintenant, je vous cite à ce sujet-là aussi l'Encyclopédia Britannica, qui est un livre reconnu, not, de, de grande notoriété. Dans sa 11e édition, il dit ceci concernant le jour des morts. Le jour des morts est fondé sur la doctrine catholique selon laquelle les âmes des fidèles qui n'ont pas expié leur transgression ou qui n'ont pas été purifiées de péchés véniels, parce qu'il y a deux sortes de péchés, si vous vous rappelez bien. Il y a les péchés mortels qui vous amènent à aller en enfer et les péchés véniels qui sont. Qui, il y a une possibilité de négociation. Qui, euh, qui n'ont pas été purifiés de péchés véniels, ils ne peuvent pas atteindre la vision béatifique. Ils peuvent y parvenir grâce à des prières et grâce au sacrifice de la messe. OK? Alors, ça, c'est la doctrine officielle. Il faut mettre tout ça dans le contexte parce que ça va ensemble. Ça veut dire une chose. Ça veut dire ceci, ce que je viens de vous montrer c'est que les vivants peuvent faire quelque chose pour améliorer la condition des personnes décédées. Et ça, c'est complètement faux. Ce n'est pas biblique. D'abord, les personnes décédées sont décédées elles sont mortes. Elles n'ont conscience de rien. Elles attendent justement le jour de la résurrection. Pourquoi il y aurait une résurrection si la personne décédée n'est pas décédée? Si elle est déjà au ciel, si son âme est déjà au ciel ou ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y aurait une résurrection? C'est même pas logique, à sa face même. Alors, ça veut dire que les vivants, d'après ce qu'on nous enseigne dans ces grandes religions-là, peuvent intervenir pour améliorer la condition des personnes décédées. Ça me rappelle une tradition au Québec. Certains vont peut-être se rappeler de ça. Une tradition chez les catholiques, du moins c'est ce que j'ai connu, un petit rituel euh, bizarre. À cette période précise de l'année, euh, nos parents nous amenaient euh, visiter les cimetières. Et là, on priait pour les morts. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui étaient plus euh, pointus un peu dans leur observance avaient un petit rituel concernant la bâtisse de l'Église et les prières pour les défunts pour qu'ils sortent du purgatoire et puissent aller au ciel. On nous faisait entrer dans l'église, dans une église, et là on priait pour les défunts, pour l'âme des gens qui étaient au purgatoire, pour les âmes qui étaient au purgatoire, et on ressortait de l'église. Et là on nous disait que on avait pu sauver une âme du purgatoire, qu'elle avait pu aller au ciel. Alors ce que, que les gens faisaient, je me, je me rappelle, j'ai vu ça, c'est qu'après être sorti d'une église il allait à une autre église et il rentrait dedans. Il faisait une prière encore pour les fidèles défunts, pour leurs âmes, afin d'en sauver un autre du purgatoire. Et là, il ressortait de l'église et il répétait le scénario dans trois, quatre églises de la région pour ce jour-là faire en sorte d'aider des âmes qui étaient prises au purgatoire à aller au ciel. Comme si ça allait forcer Dieu à dire oh, ben là, je... Je peux pas, je peux pas, euh, je peux pas laisser passer. Il faut que je prenne cette personne-là puis que je l'amène, euh, c'est-à-dire l'âme de cette personne puis que je l'amène euh, au ciel. Voyez Vous? Ça c'est ce qui se faisait dans nos traditions ici au Québec. Je ne sais pas dans d'autres pays si la même chose se faisait. Toutes ces fêtes de la mort, c'est ça le nom de ces fêtes-là. Toutes ces fêtes de la mort ou des morts sont basées sur un seul et même thème communiquer avec les morts les apaiser c'est pour ça que dans certaines peuplades on leur donne des fleurs, on leur donne de la nourriture, on met de la nourriture sur leur tombe ou à la porte de la maison où ils restaient et ainsi de suite. C'est basé sur un même thème communiquer avec les morts, les apaiser, les servir et même les adorer. C'est ça C'est ça Mais ceux qui font ces rituels là associés à la touche puis à à l'Halloween et au jour des morts, sans s'en rendre compte, joue avec le monde des esprits mauvais. Et l'adversaire est bien content, celui que la Bible décrit comme étant l'esprit malin qui a séduit toute la terre, qui a trompé toute l'humanité, qui a amené toute l'humanité dans toutes sortes de religions imaginables, mais contraires aux voies de Dieu. Il y a juste une seule voie de Dieu, il y a une seule vérité, il y a un seul chemin pour la vie éternelle. Au Mexique, au Mexique, il y a un exemple frappant de ça. Et j'avais gardé un article du Soleil, en date du 30 octobre 2004, le journal Le Soleil de la ville de Québec, sous la plume de Gérard Coder. Il faut que je vous lise. Ça, ça se passe au Mexique. C'est très populaire. Les, les fêtes entourant l'Halloween, la Toussaint et le jour des morts. La fête des morts, célébrée un peu partout à travers le Mexique, revêt un caractère particulier dans l'État de Miquacan où les traditions précolombiennes et chrétiennes semblent se confondre dans un rituel qui rapproche le monde des vivants de celui des morts. Durant toute la semaine précédant le 2 novembre, jour des morts, on trouve dans les marchés populaires toutes sortes de friandises rappelant la mort. Des têtes de morts en chocolat, des squelettes en sucre reposant dans des cercueils de carton, des pierres tombales sur, les, sur lesquelles on, on inscrit des, des petits messages. La place du marché est pleine à craquer, au point où il est presque impossible d'y circuler à travers les étals des vendeurs ambulants aménagés à même le sol et les tréteaux des tenanciers permanents. Des camions remplis de soucis. Et les soucis, c'est une sorte d'œillet de couleur jaune, jaune-orange. Euh, Alors, des camions remplis de ces fleurs-là, couleur jaune et orange, la fleur préférée des morts, selon eux, que l'on choisit pour orner les petits hôtels aménagés au coin des rues, dans les maisons, à la mémoire des défunts et pour décorer la pierre tombale des disparus au cimetière. Voyez-vous, on retrouve le même genre de scénario. Maintenant, à l'île de Pakanda, sur le lac Pascuaro, les traditions sont toujours authentiques et bien vivantes. Pa pendant que les femmes de l'île préparent les repas communautaires prévus en soirée, les hommes montent les arcades d'œillets jaune et orangés à l'entrée du village, devant l'église et à l'entrée du cimetière. Tout ça va ensemble. L'église, le cimetière, les fleurs pour les défunts. Tout est prêt pour la fête qui débute en soirée, avec musique traditionnelle, danse, chant, poésie sur la grande place du village et se terminant par la messe de minuit. À vous? Toujours associé, toujours associé à la religion. Qui n'est pas la religion de Dieu. Plus tard, dans la nuit, commence une étrange procession. Les habitants de l'île, comme des ombres dans la nuit, se dirigent éclairés à la chandelle vers le cimetière. Ils vont passer la nuit des morts. Okay? Les morts, selon la croyance, empruntent à leur tour les arcades des œillets et vont retrouver leurs parents et amis qui les attendent au cimetière et qui ont dressé pour eux des autels chargés de mets de boissons qu'ils appréciaient durant leur vivant. Voyez-vous, on offre des, des sacrifices euh, aux morts. Les cloches des églises qui avaient appelé le 31 octobre les morts au rendez-vous. Déjà à l'Halloween, on appelait les morts au rendez-vous par, par, le, par les clochers des églises. Les cloches des églises qui avaient appelé le 31 octobre les morts au rendez-vous avec les vivants, sonnent de nouveau à l'aube du 2 novembre pour les inviter à retourner dans les ténèbres. Alors voyez-vous le scénario. Et après, on dit que les gens mangent la nourriture qu'ils ont amenée pour euh, les défunts parce qu'on dit que les âmes ont mangé l'aspect spirituel de la nourriture. Il reste simplement l'aspect physique, alors ils peuvent le manger. Euh, alors voyez-vous comment les croyances des êtres humains euh, fonctionnent. Dieu nous révèle que les morts sont morts. Les morts sont morts. Allez dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Et qu'on ne doit pas leur rendre de culte. Et qu'on ne doit pas, sous prétexte d'entrer en rapport avec eux, prendre contact avec le monde des esprits mauvais qui lui est réel. Ecclésiaste chapitre 9. Et le verset 5. Regardez ce que Salomon dit ici. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. On sait tous, chacun de nous, que nous allons mourir. On a une fin. Mais regardez ce qu'il ajoute. Mais les morts ne savent rien. Ils n'ont pas une âme quelque part qui est consciente de quelque chose. Les morts ne savent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Et la définition de la mort, c'est l'absence de la vie. Et même Salomon va plus loin, allez juste dans la page suivante au verset 10. Quand Salomon dit, Pendant que vous êtes vivant, là, faites ce que vous avez à faire de bonne façon, servez Dieu et faites de bon cœur les choses que vous avez à faire. Parce que quand vous allez être mort, vous n'aurez conscience de rien. C'est ça qui explique encore plus en détail. Verset 10, Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pensée, parce que les morts sont morts. C'est inerte, jusqu'à temps que Dieu les ramène à la vie. Et euh, à un autre endroit, vous pourrez aller voir euh, vous-même, dans Psaume 6, verset 6, David dit ceci Il dit, Dieu, celui qui meurt, ne t'a plus dans sa mémoire. Psaume 6, verset 6, celui qui meurt ne t'a plus dans sa mémoire. Alors la personne qui est décédée ne peut même pas penser à Dieu, elle, elle ne pense pas, elle ne peut pas. Euh, penser. Alors les morts sont réellement morts, mais le monde des esprits mauvais, le monde des démons, lui, il est réel. Et on doit le considérer avec sérieux. Le monde des esprits mauvais, il est réel et il est dangereux pour celui qui n'est pas sur ses gardes. On n'a pas à emprunter un peu de ce monde-là ou à rester un peu en contact avec ce monde-là. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Satan est puissant. Hein? Quand vous regardez là, son tableau de chasse, regardez son tableau de chasse. Satan a séduit un tiers des anges. Un tiers des anges, Satan a séduit. Les anges sont des êtres spirituels très puissants, mais Satan est très rusé. Et il a séduit un tiers des anges. Et après, la Bible nous montre qu'il a séduit maintenant, durant toute l'histoire de l'humanité, qu'il a séduit toute l'humanité. Alors, quand vous regardez son tableau de chasse, vous comprenez qu'il est dangereux. Et pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant pour chercher qui il va pouvoir dévorer. Et il n'arrive pas nécessairement avec des armes. Il peut arriver avec des choses qui semblent anodines, qui semblent agréables, que tout le monde fait. Faites-le don, participez un petit peu. C'est inoffensif, voyons. C'est offensif et c'est dangereux. Jacques 4. Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Alors, chapitre 4, versets 7 et 8. Regardez ce qu'il nous est dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Parfois, on a des attaques directes sur nos convoitises ou sur... Dieu, Satan veut essayer de nous faire pécher ou nous détourner. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on va comprendre ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à la vérité et ce qui n'est pas de la vérité et ce qui n'appartient pas à Dieu. Il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas par notre force, mais par la puissance de Dieu, parce qu'on va être proche de Dieu. Verset 8 approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut toujours être proche de Dieu. Et plus les temps vont avancer maintenant, plus il nous faut être proche et, et, et nous tenir proche de notre grand Dieu, du Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Et on va lire le verset 11. Je prends simplement la dernière partie du verset. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il faut faire attention de ne pas lui donner de chance, autrement dit. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Son but, c'est de nous détruire. Et ceux qui veulent détruire en premier, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Le petit troupeau, les appelés, ceux qui travaillent à être fidèles, ceux qui sont élus et qui veulent persévérer jusqu'à la fin. C'est contre eux que, Dieu, que Satan veut agir. Mais Dieu va nous protéger si nous sommes proches de lui. Alors ces fêtes dont j'ai parlé sont impures. Si on le voit sous cet angle-là, c'est ça. Ces fêtes-là sont des fêtes impures. L'Halloween et toutes ses pratiques sont impures. Il n'y a rien là-dedans de compatible avec les instructions de Dieu pour un chrétien. Il n'y a absolument rien de compatible dans ça avec la vie d'un chrétien. C'est pourquoi c'est marqué dans Apocalypse 18, verset 4. Vous pourrez vous y reporter. Apocalypse 18, verset 4. Dieu dit bien aux siens au temps de la fin, sortez d'elle. Sortez de Babylone, sortez des façons de faire du monde, sortez des fausses religions, sortez des fausses fêtes qui sont en fait des fêtes païennes qui sont contre Dieu. Sortez de ce système, mon peuple. Pourquoi Afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Parce que Dieu appelle ça des péchés, de participer à ces choses-là qui sont contraires à Dieu. C'est logique. Afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux parce que ceux qui vont continuer à pratiquer ces choses-là vont devoir souffrir des fléaux particuliers au temps de la fin. Il dit pour ne pas être parmi ceux qui vont souffrir ces fléaux, sortez d'elles, sortez de ça. Ne prenez aucune part à ces choses-là. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Ici, c'est les directives, on voit les directives que Dieu a données à son peuple, Israël, lorsqu'il a chassé les nations devant Israël pour qu'Israël s'établisse en terre promise à ce moment-là. Et ces mêmes directives-là, ça s'applique à nous aujourd'hui. Nous, on n'entrera pas dans une terre promise physique, mais on va entrer dans son royaume, dans son gouvernement pour administrer la terre. Okay? Mais c'est le même principe. Et Dieu n'a pas changé, c'est les mêmes lois dans le temps qu'aujourd'hui. Et regardez à Deutéronome 12, on va commencer à lire au verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu auras, été, tu, lorsque tu te seras, pardon, établi dans le pays, gardez bien la mise en garde. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, en imitant les nations autour après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu avec un petit dé, de leur petit Dieu, de leur faux Dieu, de leur Dieu de la mort. Et de dire, comment est-ce que ces nations servaient leur Dieu? Comment ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font? Ça semble intéressant. Moi aussi, je veux faire de même. Déjà, par le fait de s'intéresser à ces choses-là, on ouvre la porte pour faire un certain nombre de choses comme ceux qui servent ces faux Dieux. Comment les nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Car ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Comme on a vu tantôt chez les peuples celtiques, de la part des druides, de leurs prêtres à ce moment-là, avec toute la signification de, de, de faux principes qui y avait de mêler à ça. Verset 32, vous observerez, vous mettrez en pratique. Toutes les choses que je vous ordonne, ça c'est notre ordre de marche en tant que chrétien, en tant qu'appelé. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Dieu était bien clair euh, là-dessus. Allez, je pense qu'on, ça vaut la peine qu'on voit. Allez à Actes chapitre 19. Je vais vous montrer dans Actes 19 un passage que vous n'avez peut-être pas remarqué beaucoup jusqu'à maintenant. Et qui nous montre que l'Église de Dieu, à ce moment-là, ceux qui étaient venus à l'Église de Dieu, certains d'entre eux pratiquaient encore des, des choses qui n'étaient pas correctes, qui avaient encore rapport avec les arts divinatoires ou avec le monde des esprits. Et ces gens-là se sont repentis. Ils ont dit on ne veut plus toucher à ça. Et regardez comment c'est clair ici. Et c'est assez frappant. Acte 19. Euh, verset 19. Commençons par le verset 19. Un certain nombre d'entre ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Okay, ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils fassent ça, qu'ils observent les lois du vrai Dieu. Ils ont brûlé leurs livres devant tout le monde et on en estima la valeur à 150 000 pièces d'argent. Euh, je ne sais pas le montant que ça peut représenter, je n'ai pas fait le calcul, mais ça, ça doit être énorme pour qu'ils prennent la peine de le marquer dans la Bible euh, de cette façon-là. Donc, il devait y avoir un, un, un immense tas de livres, c'était populaire à l'époque. Euh, D'avoir contact avec le monde des esprits. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait beaucoup de possessions démoniaques à l'époque. Il y avait beaucoup d'interventions des démons, et ainsi de suite. Et beaucoup d'art divinatoire qui se faisait, qui est en être en, ça, est être en rapport direct avec le monde des esprits. Et le monde des esprits se manifeste, hein? Euh, parfois les gens, sans s'en rendre compte, demandent l'intervention, pas sans s'en rendre compte, mais les gens demandent l'intervention du monde des esprits et ils ont des, des réponses parfois. Vous voyez le, le, le contexte où Paul, par exemple, a, avec un autre de, des apôtres ou des ministres de Dieu, s'en allait, et il y a une femme qui était animée par ce que la Bible appelle l'esprit d'un Python, c'est-à-dire un, un esprit démoniaque qui dit Ah, ça, c'est les serviteurs de Dieu! Elle, elle suivait Paul, cette femme-là. C'était une femme qui disait la bonne aventure, puis elle rapportait beaucoup d'argent à l'homme avec qui elle était. Et là, elle disait Ça, c'est les serviteur de Dieu! Ça, c'est serviteur de Dieu! Paul allait prêcher. Et c'est devenu fatigant, puis à un moment donné, Paul s'est retourné, puis a dit Sort!! Il a commandé au démon de sortir, le démon est sorti. Ces phénomènes-là étaient assez courants à l'époque. Alors, les gens pratiquaient beaucoup la, divina la divination et ce genre d'art magique. Alors, commençons à lire au verset 13. Même chapitre. Je vais vous montrer le contexte ici. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant ⁇ Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ⁇ OK J'arrête ici. Les exorcistes, on entend ça, il y a eu un film là-dessus et, et tout ça. Qu'est-ce que c'est un exorciste C'est une personne qui chasse des démons au moyen de, au moyen de certaines formules magique. Quelqu'un qui chasse des démons parce qu'on peut chasser des démons, certains peuvent chasser des démons avec des formules magiques par la puissance des démons, tout simplement. Mais ça donne des résultats et les gens sont frappés par ça. OK, Ils disent "Hey, ça marche." Donc, il y a une grande puissance, c'est la puissance de Dieu. <laughs> non, on sait qu'au temps de la fin, il y aura un grand faux prophète qui va faire des grands prodiges et les gens vont dire "C'est la puissance de Dieu." Mais ce, ce, grand prof, ce grand faux prophète-là n'annoncera pas la loi de Dieu ni les fêtes de Dieu. Au contraire, ça va être quelque chose de tout à fait différent. Alors on voit que c'est possible, mais il faut discerner, il faut demander à Dieu le discernement. Alors les exorcistes dont il est question ici, c'est des gens qui chassaient les démons avec des formules magiques inspirées aussi par les démons. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, <laughs> l'esprit malin qui était là dans la personne et l'esprit malin qui voulait chasser. L'esprit malin dit :« Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Parce qu'il y avait une force qui était surhumaine, qui était alimentée par un esprit mauvais. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors, il y a plusieurs des membres de l'Église qui étaient là, qui pratiquaient en secret les arts divinatoires. Quand ils ont vu ce scénario-là, ils se sont repentis, et ils ont confessé leurs fautes, ils ont dit, on a fait ce qui n'était pas permis par Dieu, maintenant on veut changer, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est là qu'ils ont apporté leur livre, avec les formules magiques, et avec les arts divinatoires, pour les brûler. Plusieurs de ceux qui avaient cru, verset 18, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 150 000 pièces d'argent. Alors oui, ce pas nouveau ces phénomènes-là. Satan utilise toutes sortes de méthodes. Et les trois fêtes dont je vous ai parlé sont une méthode qu'il aime bien utiliser parce que ça semble tellement inoffensif. Et ça permet des, des, des festivités, des célébrations, euh, où les gens disent qu'ils sont bien là-dedans. Mais ils savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Dieu dit clairement dans Jérémie 10, versets 1 à 3, N'imitez pas les nations. N'imitez pas les nations. Jérémie 10, versets 1 à 3. N'imitez pas les nations. Les chrétiens ne se conforment pas aux célébrations du petit Dieu de ce siècle. Les chrétiens ne se conforment pas aux célébrations du Dieu de la mort. Les chrétiens ne célèbrent pas la mort. La mort est une ennemie, selon la parole de Dieu. C'est d'ailleurs le dernier ennemi que Dieu va détruire à la fin de l'histoire, quand tous ceux qui auront prouvé à Dieu qu'ils veulent vraiment lui appartenir, et qui se seront repentis totalement, seront changés en aide spirituelle, Dieu va détruire la mort, c'est-à-dire que la mort n'existera plus. Mais la mort, elle est une ennemie. Les vrais chrétiens ne jouent pas avec le monde des esprits. Nous adorons et servons le Dieu vivant, le Dieu de la vie. Dans sa miséricorde, Dieu nous a placés sur la voie de la vie éternelle. Quelle bénédiction! Hein? Quelle bénédiction de connaître la vérité qui nous libère totalement.